L'équipe de France de Jiu-Jitsu en démonstration au Palais des Sports de Caluire à l'initiative de la section judo de l'Amicale Laïque Caluire. Sur deux jours, plus de 200 judokas, débutants ou non, ont pu apprécier et écouter les conseils des meilleurs spécialistes nationaux d'une discipline dérivée du judo et du karaté. On regroupe environ 50 000 pratiquants au travers des différents clubs qu'on a sur l'ensemble du territoire français. Après, il faut savoir que le jiu-jitsu, contrairement au judo, n'est pas un sport olympique et qui a vocation de se développer et qui est en pleine effervescence, je dirais, au niveau français mais aussi au niveau mondial, puisque lors du dernier championnat du monde, on a eu plus de 40 pays participants. Vitesse, puissance et précision sont les clés du jiu-jitsu. Et grâce à ce stage, la section judo de l'Amicale Laïque Caluire compte bien accueillir de nouveaux licenciés. Créée il y a 36 ans, elle compte aujourd'hui 170 licenciés, dont une quinzaine en jiu-jitsu. Prochaine organisation, les interclubs de Caluire, le 12 février.